Finale en boat pour HPI. La série D, Audrey Fleurot et ISTF, un large leader des audiences de première partie de soirée avec elle, ultime épisode de sa saison 2 le jeudi 16 juin 2022. Elle a deux chaînes 7,99 millions de téléspectateurs, soit 39,4 et 4 ans et plus et 49,1 et femmes de moins de 50 ans responsables des achats. HPI a ensuite fédéré 4,32 millions de francs, soit 28,8 L, ensemble du public, avec un épisode en rediffusion. France 3 était loin derrière avec La Stagiaire. La série, porte par Michel Bernier, a proposé deux épisodes en rediffusion. Hélène a pas fait le poids face au phénomène HPI en se limitant à la présence de 1,68 et 1,65 millions de téléspectateurs. Ses parts de marche se sont élevées à 8,3 et 9,2 auprès du public âge de 4 ans et plus. La soirée cinéma de M6 à vire au flop. De elle, autre cote du périph, où Omar Sy a donné la réplique à Laurent Lafitte, N, a convaincu que 1,12 million de téléspectateurs, soit 5,9 et 4 ans et plus et 8,5 que la cible commerciale. Léa Salam a suivi le même chemin avec France 2022, magazine qu'elle a mené avec Laurent Guigné, en présence de 1,08 million de personnes, soit 5,9 L, ensemble du public, sur France 2. Du côté des autres chaînes, W9 a dominé ses concurrentes de la TNT avec un documentaire. Michel Sadou, elle, indomptable a suscité elle, intérêt de 828 000 téléspectateurs, soit 4,3 L, ensemble du public. France 5 était en embuscade. Le documentaire, Les 7 merveilles du monde, chef D, œuvre de elle, Antiquite, lui a permis de séduire 834 000 francs, soit 4,2 et 4 ans et